À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Je te laisse augmenter. 37 800. À 37 800, tu te sens hors de portée et en sécurité. Oui. Bien, connecte-toi à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Et je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Voilà, avant de te connecter sur Marie, j'aimerais savoir ces trois coups que tu as entendus tout à l'heure avant la séance. Je veux que tu me dises d'où ils viennent. Il y avait comme une sorte de... Il y a trois... C'est comme des sortes de consciences qui étaient là, mais dans la pièce, en observation et en attente. Quel type de conscience? L'une de ces trois était ma partie subliminale et qui était comme sollicitée par les deux autres par rapport au déroulement de la séance. D'accord. C'était quoi le but de ces trois coups? De me préparer, de s'assurer que je sois là, présente pour la séance. D'accord. Et ces deux autres parties, de qui s'agit-il alors? Il y avait la partie subliminale de Marie et une autre présence, comme une sorte de présence régulatrice qui n'a rien à voir ni avec Marie ni avec moi, mais qui organise en fait, qui organise ce type de séance-là. Et d'ailleurs, pas seulement avec nous, c'est même pas seulement rattaché à nous. C'est relié à l'hypnose régressive. D'accord. Et c'est qui cette présence comme ça dont tu parles? C'est une présence non incarnée et qui s'est rapprochée de toute cette activité d'hypnose régressive et de tous ceux et de toutes celles qui le pratiquent et qui en quelque sorte gèrent les demandes et organise, enfin gère les demandes de ce type de séance et vont diriger plutôt vers telle ou telle équipe en fonction des demandes et en fonction des énergies, en fonction des besoins. Et qui est cet être, d'où est-ce qu'il vient? C'est un être de l'astral, mais non incarné, qui n'a jamais connu l'incarnation. Un être de l'astral, et c'est quoi son intérêt d'orienter toutes ces séances? C'est un être qui se situe là en observation de l'humanité et c'est ce type d'être hein, qui se situe principalement au moment des naissances et des désincarnations sur le plan physique. Et il s'intéresse, oui. Et qui est, enfin lui et enfin cet être-là et les autres sont en observation des incarnations humaines en 3D et du devenir et de l'observation des consciences humaines dans les corps humains. Et en quoi ça intéresse, ces séances d'hypnose agressive, en quoi c'est intéressant pour lui? Parce que ça offre comme une sorte d'espace supplémentaire de possibilités de déploiement, de développement des consciences. D'accord. Et tu me dis que c'est un être de l'astral. Oui. De quel astral? Haut, bas, moyen? Moyen qui n'est ni positive ni négative. D'accord. Et quel rôle il joue dans les naissances et les décès? Un rôle de régulation. C'est-à-dire? Parfois, ce type d'être-là va bloquer l'arrivée de naissance là, sur le plan 3D si les consciences des parents ne sont pas suffisamment prêtes à accueillir l'enfant.
ou parfois va accélérer l'arrivée de conscience sur le plan 3D. À la demande de ces consciences-là pour une sorte d'accélération de prise de conscience. D'accord. Donc, ce qui l'intéresse, lui, dans cette séance, c'est que c'est quoi exactement? C'est l'ouverture de la conscience, hein, et la montée en fréquence. Il y a comme une sorte d'impasse énergétique la concernant, enfin, dans laquelle elle se trouve maintenant. Donc, suite à la demande de sa partie subliminale, elle a été dirigée là, aujourd'hui, enfin dans cet espace-temps-là. D'accord. Donc lui, tu me dis qu'il est dans le moyen astral, mais il est résident du moyen astral ou il vient d'ailleurs? Non, il est résident du moyen astral. D'accord. Et donc il est intéressé par l'ouverture de conscience des humains, c'est ça? Oui, il y a une partie humaine dans cet être-là. Cet être-là est le résultat, c'est une création, mais qui est devenue autonome. C'est une création qui est venue, qui est née d'intention de plusieurs consciences humaines de s'élever, de passer à un autre plan de conscience, de se dégager des roues d'incarnation. Donc toutes ces consciences humaines dans leur intention ont créé cet être-là et d'autres, c'est pas le seul être qui a été créé, qui est devenu autonome dans sa conscience. Donc cet être-là a pris son autonomie et est né ou plutôt est apparu de cette façon-là suite à une création voulue de conscience humaine. Et cette présence est là, toujours, Et en donc, aide et soutien des consciences humaines. ok, et il joue un rôle de régulateur, comme tu disais. Oui. Ok, et il existe depuis longtemps, puisque c'est une création humaine. Celui-ci depuis environ 50-60 ans de nos années humaines. D'autres peuvent être plus anciens, mais ces êtres-là n'ont pas une durée de vie très longue. Ce sont comme des sortes de créations éphémères qu'ils sont mis en place puis dissous quand leur rôle spécifique n'est plus reconnu. Ça se dissout tout seul en fait. Quand les consciences humaines qui l'ont créé estiment que cet être-là, leur création, n'est plus nécessaire. Ce type d'être-là se dissout et est remplacé par d'autres qui sont plus adaptés aux nouvelles énergies d'une époque donnée. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut l'appeler cet être alors que le nom on peut lui donner? N'y a pas de nom. Ce n'est pas ce qu'on appelle un ange, ce n'est pas Oui. ce qu'on appelle une entité démoniaque, ni même une entité positive, puisque c'est neutre. C'est simplement une création éphémère d'une conscience aidante mise en place par un ensemble de consciences humaines à un instant T. D'accord. Ok. Bien. Et donc aujourd'hui, il est venu frapper à la porte avec les parties subliminales de vos deux parties Oui. pour te rappeler que la séance arrivait dans pas longtemps. Oui, mais le coup n'a pas été frappé à la porte, il était là, autour de moi. Autour de moi. D'accord. C'est la première fois que ça arrive, ça. On n'avait pas rencontré encore ce genre d'être. Non. Bien. Et bien maintenant qu'on en sait un peu plus, je te laisse te connecter sur Marie. Oui. Alors, comment est-ce que tu perçois Marie? Y a comme une sorte d'étouffement énergétique, dans le sens où c'est comme si elle était recouverte d'une sorte de voile de poussière grisâtre, qui est là sur toute sa sphère d'énergie et qui vient en abaisser les fréquences. Ça vient
non pas couper complètement, mais en tout cas affaiblir et couper en partie sa connexion terre-ciel. Et la connexion avec ses parties supérieures aussi, ça vient l'isoler. C'est comme une sorte, oui, de voile de poussière. Un petit peu comme une sorte de brouillard grisâtre qui est là, donc posé sur toute sa sphère d'énergie et qui vient s'infiltrer aussi dans sa sphère d'énergie puisque les particules en sont très fines. Et ça vient s'infiltrer entre les corps subtils et ça vient les décaler. Ça a à voir avec son brouillard mental. Oui. Ça n'est pas l'unique cause, mais ça a à voir, oui. Que voit-il d'autre? Il y a des sortes de filets qui sont presque cachés par cette sorte de brouillard et de poussière grisâtre hein, et qui sont posés sur elle. Donc il y a un filet qui est posé autour de sa tête, un autre autour de son ventre et de son bas-ventre. Et après, il y a. Donc ça, c'est les filets qui sont déployés. Après, il y a des filets qui sont comme. Plus resserré en torsade, presque comme des cordes. Donc il y en a un qui vient se resserrer autour du plexus solaire, donc ça vient l'attirer vers l'arrière. Un autre au niveau de la cage thoracique, ça vient aussi tirer vers l'arrière. Ça vient créer une pression sur le chakra du cœur. Un autre au niveau de la gorge. Et il y a une sorte de nœud coulant, toujours. Formé par cette sorte de filet, mais étiré et torsadé comme une corde, et là ça vient s'enrouler autour des chevilles. Ok. Comment tu l'autres? Il y a comme une sorte de. Ça clignote. Ça clignote faiblement parce que c'est caché par. C'est à moitié. Caché par cette sorte de brouillard grisâtre, mais c'est là au niveau de sa tête, c'est derrière la nuque. Qu'est-ce C'est que c'est? un système GPS qui est là. Qu'est-ce que ça cause, quel problème? Ça vient émettre des fréquences dissonantes qui viennent comme fragmenter ses pensées et affaiblir toute la zone de la tête et la sphère ORL. Au niveau des dents, ça vient résonner aussi au niveau de la mâchoire et des dents elles-mêmes. Ça vient les faire vibrer en quelque sorte de façon dissonante D'accord. et les fragiliser. Ok. Vois-tu autre chose? Cette sorte de brouillard, il est collant, il vient se coller sur le corps vital et avec des infiltrations en quelque sorte sur la surface de la partie physique. Avec comme une sorte de réaction de rejet de la partie physique. De quelle manière ça traduit cette réaction de rejet? C'est une des réactions cutanées de rejet. Ok, cutané. Donc, genre eczéma, Oui. le coude droit, les Oui. paupières. Oui. D'accord. Tu vois d'autres Normalement, choses? ça reste à la surface du corps vital qui protège. Le corps physique, mais il y a comme des sortes de fuites, en quelque sorte, du corps vital qui s'amincit parce qu'il perd en vitalité au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation. Ça s'infiltre là. Ok, autre chose. Directement sur elle, c'est tout. Bien, on va regarder qui est responsable de tout ça. Il y a des montres qui sont là en arrière-plan. Tu en vois combien? Il y en a quatre. C'est elles qui ont créé ce voile énergétique là, qui l'écoute, qui l'étouffe, cette poussière, ce voile de poussière. Oui, pour la cacher en quelque sorte, pour cacher sa lumière, l'abaisser en fréquence, et ce qui permet de la garder pour elle, puisque de cette façon-là, elle n'est pas perçue par d'autres entités prédatrices. Ok.
Et Elles sont. ce brouillard-là est accordé aux fréquences de ces entités-là. C'est comme une sorte de voile d'invisibilité, mais créé et mis en place par ces entités-là pour qu'elles restent avec elles. C'est plus un voile d'opacité que d'invisibilité. Enfin, d'invisibilité par rapport aux autres entités prédatrices. D'accord. Il n'y a que ces quatre mantes ou elles travaillent pour d'autres ou est-ce qu'elles ont des non, petites mains? Elles travaillent pour elles. Pour elles-mêmes. C'est quoi leurs objectifs? Elles sont dans des comme des sortes de process d'expérimentation, de reproduction et d'hybridation. Donc, autrement dit, elles ont travaillé sur son ADN. Oui. Ok. Donc, elles ont trafiqué son ADN. Il y a une partie de son ADN qui est modifiée et dans une autre partie, il y a de leur ADN qui leur appartient, de l'ADN de gris aussi. Quel pourcentage est modifié? Il y a 1,5% modifié. Oui. L'ADN de menthe, combien? Et dans les 3,5%, il y a 2% d'ADN de menthe et 1,5% de gris. 1,5%. Ok. Qu'est-ce que ça les cause comme problème, Marie? Sa physicalité a de la difficulté à s'équilibrer, à se poser. Et à s'organiser. Ok. Alors, on va regarder depuis combien de temps est-ce qu'elles sont avec elle la toute première fois. 1, 2, 3. Depuis 9 incarnations. 9 incarnations. Comment s'est produite la première fois? C'est au moment d'une désincarnation, ça s'est produit. Lors d'un accouchement, l'enfant et la mère ne sont pas restés sur le plan physique. D'accord. Et ensuite hein? Donc, elle, dans cette situation, était la mère. Et elle a été accueillie, en quelque sorte attendue, accueillie par ces entités-là, par ces quatre entités. D'accord. Sa désincarnation a été provoquée ou pas? En partie, oui. Il y avait déjà comme une sorte de vulnérabilité là sur le plan physique hein, qui a été utilisée et récupérée par ces entités-là. C'était quoi la vulnérabilité? Par rapport à la physiologie, le bassin était trop étroit et l'enfant avait de la difficulté à passer. D'accord. Et en quoi est-ce qu'elles ont contribué à précipiter sa désincarnation? Pour récupérer les consciences. Mais comment elles s'y sont prises? Simplement en étant là, en attente, d'apparence bienveillante et accueillante pour récupérer les consciences de la mère et de l'enfant. D'accord. Ensuite, que s'est-il passé une fois désincarné? Ce sont elles qui ont géré ces incarnations. Ok. Bien. Et c'est elles qui ont choisi les lignées dans lesquelles elles s'incarnent? Oui. Quelles caractéristiques principales elles choisissent pour déligner? C'est des lignées qui ont déjà été interférées, donc soit par ce même type d'entité-là, soit par d'autres. En tout cas, déjà des lignées fragilisées, en quelque sorte. Donc, qui présentent des vulnérabilités dans leur structure émotionnelle, mentale et physique. Ok. Alors, est-ce que cet événement a laissé une empreinte dans la vie de celle qui est Marie aujourd'hui? Est-ce qu'on y retrouve quelque chose dans ces problématiques? Oui, ça laissait comme une sorte de cicatrice émotionnelle qui est là, toujours présente, et qui vient générer
une difficulté de résistance au stress. Il y a comme une sorte de peur et d'anxiété qui est toujours là présente. D'accord. OK. Bien, alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, pardon, je suppose que toutes les parties de Marie prennent conscience et connaissance de la situation. Oui. Il y a des conséquences. Oui. Voilà. Donc, alors ça va partir bien sûr de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle est de vie humaine dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? Dans cette boucle-là, 27. 27 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. La forme, elle est humanoïde, mais c'est une sorte d'humanoïde oiseau. C'est-à-dire que la structure que l'on pourrait appeler physique, enfin, en tout cas de cette forme de physicalité, est très légère. Le visage, c'est humanoïde. Une partie du corps aussi. Après, les ailes, elles sont des ailes d'oiseau, avec des plumes bleutées. Avec d'autres mélanges de couleurs, légèrement brillantes, mais ce qui ressort, c'est le bleuté. Nous sommes C'est sur une comme une planète. sorte de deuxième paire d'ailes au niveau des jambes, alors qui ne sont pas réellement des jambes. Ça fait comme une sorte d'oiseau, mais avec, au lieu d'avoir une paire d'ailes, il y en a deux. Une paire d'ailes principale de ce que l'on va appeler au niveau des bras, une paire d'ailes secondaire de ce que l'on va appeler au niveau des jambes. Nous sommes sur une planète. C'est sur une planète qui n'a pas de sol. C'est comme une sorte de planète gazeuse. C'est une planète qui est en cinquième dimension, mais dont cette cinquième dimension est gazeuse. Donc elle D'accord. est en vol, parce que nous on appelle en vol ou en déplacement permanent. D'accord. Et cette planète se situe où alors? Elle est dans notre univers, mais dans notre univers, elle est ce qu'on pourrait appeler à la frontière de notre univers. La planète, c'est une sorte de planète en cours de formation. D'où cette structure gazeuse là, dans sa cinquième dimension. Et quel rôle elle joue alors dans cette formation de planète? D'installer la physicalité de cette cinquième dimension sur cette planète-là. De quelle manière elle installe la physicalité? Comme une sorte de, comme par une sorte de tissage de matière, donc non pas à elle seule, mais à plusieurs. Donc la polarité est féminine. C'est comme si à elle, grâce à elle, enfin plusieurs êtres de ce type-là, de cette race-là, elles se croisent et elles se recroisent dans ce vol permanent pour créer des comme des sortes de tissus énergétiques, la trame de tissus énergétiques d'un nouveau type de ce que l'on pourrait appeler matière. Et qui vient créer les bases de la physicalité de cette cinquième dimension. D'accord. Et avant de tisser sur cette planète, enfin sur sa formation, elle venait d'où? De son soi supérieur. Directement. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Cette planète, elle est située à proximité, ou en tout cas dans la zone de ce que l'on appelle les planètes ressources, comme des sortes de réservoirs de biodiversité. Dans toute cette zone-là, il y a ces planètes ressources, mais il y a aussi toutes ces planètes qui sont en cours de formation, donc ce qui est le cas pour celle où elle se trouve là maintenant.
Et une fois ces planètes en cours de formation terminées, elles migrent, elles se déplacent de cette zone-là pour aller dans telle ou telle constellation. En fait, elles viennent enrichir des galaxies et des constellations. Une fois qu'elles ont terminé la mise en place de leurs différentes dimensions. Une espèce de vivier à planète alors. En quelque sorte, oui. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour elle, celle qui est mariée aujourd'hui? Donc, ce n'est pas elle seulement, c'est sa planète entière en cours de création qui a été captée, récupérée par une sorte de filet immense pour être emmenée, bien qu'elle ne soit pas terminée, en quelque sorte, la structure de la planète, ailleurs dans notre univers. Oui. Elle a été emmenée là à la structure de notre, à la limite, pardon, de la structure de notre système solaire. D'accord. Et lâchée là, abandonnée à elle-même, en quelque sorte. Sauf que la structure énergétique de cette planète n'étant pas terminée, elle s'est en quelque sorte désagrégée. Et les consciences, dont celle qui est mariée maintenant, se sont retrouvées comme éjectées ou sans plus de points d'attache au fur et à mesure que la planète se désagrège, se défile, se déface. Donc elles se sont retrouvées à errer et dans notre système solaire et dans d'autres, à être portées là par les courants d'énergie qui traversent l'univers. Dans cet état d'être-là, elle a été captée, récupérée par un autre type de filet. Celui-ci, c'est une sorte, celui qui l'a capté, c'est une sorte de filet, on va dire presque automatisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, comme une sorte de filet robot, il n'y a plus d'entité, il n'y a pas d'entité consciente là en arrière-plan. C'est simplement comme une sorte de robot Un qui programme. vient récupérer des consciences, surtout pour leur énergie, et pour ce robot-là précisément, pour alimenter la structure de la matrice artificielle terrestre. D'accord. Donc elle va directement donc dans la fausse matrice, c'est ça? Oui. Et ensuite, hein? Dans un premier temps, elle est comme placée sur la structure de la matrice artificielle elle-même, pour l'alimenter directement en énergie comme une pile. Là, elle se vide, elle se décharge assez rapidement. Donc, elle en est là de nouveau éjectée. Et sa conscience refabrique de l'énergie, reproduit de l'énergie. C'est comme si l'aspiration de son énergie vitale avait été trop importante par rapport à la structure de cette matrice artificielle. Donc, une fois rejetée, elle s'est retrouvée à l'intérieur de la structure de la matrice artificielle, de nouveau dans une sorte d'errance, mais cette fois-ci avec lâchée par la structure artificielle, hein, elle a recommencé à produire sa propre énergie. D'accord. Là, c'est d'elle-même qu'elle s'est dirigée vers les roues d'incarnation humaine. J'aimerais savoir, lorsque sa planète a été saisie par un filet, un immense filet, pour être amenée justement dans notre système solaire, d'où il venait ce filet? Il est de type archontique. D'accord. Ok. Et l'objectif de donc des archontes, c'est d'alimenter la fausse matrice, c'est ça? Non, au départ, l'objectif était de créer de nouvelles bases pour étendre leur territoire, de nouvelles bases planétaires. Pour étendre le territoire de qui des archontes, tu veux dire? Oui. Ok. Et donc, du coup, ils se sont loupés? C'est comme s'ils avaient. C'est comme quand tu cueilles un fruit trop tôt. Il n'arrive pas à maturité, il ne peut pas se. Être consommé, ni utilisé, là c'est un peu la même chose. D'accord. Mais ils n'avaient pas discerné que la planète n'était pas prête.
Non, parce qu'ils ne sont pas suffisamment fins. Parfois, ils nous discernent. C'est comme une sorte de ramassage en masse. Un petit peu comme c'est, pour faire une analogie sur le plan terrestre, au niveau de la pêche industrielle, ces grands filets qui vont racler les fonds marins et qui récupèrent tout ce qui s'y trouve sans discernement. C'est un peu la même chose. D'accord. Ok. Et alors, si on s'intéresse aux archontes, j'aimerais que tu me dises comment, à quoi ils ressemblent. Il y en a différents types puisqu'il y a une hiérarchie. Donc ça dépend desquels tu parles. Alors, regarde tout en haut de la hiérarchie. Ils n'ont pas de forme, ce tout en haut de ta hiérarchie. D'accord. Le Et ensuite. fait de placer leur énergie dans une forme donnée, ça leur prend justement de l'énergie et ça vient emprisonner en quelque sorte une partie de leur puissance. D'accord. Et ceux donc qui ont une forme, comment tu les vois? Comme des sortes de mélange entre dinosaures et démons. Ok. Ils ne sont pas humanoïdes. Ils sont là courbés vers l'avant avec une sorte de dos puissant hérissé de pointes. Et une tête avec un cou puissant qui peut s'étirer vers l'avant. Des yeux rouges, jaunes, et des sortes d'antennes hérissées tout autour de la tête. Parfois des cornes. Les membres apparaissent ou disparaissent. C'est comme s'ils étaient rétractables. Ils peuvent entrer et sortir de ce corps-là à volonté. Et quelles sont leurs tailles, généralement? Encore une fois, ça dépend de la hiérarchie. Ça va de On va dire environ 4 mètres, jusqu'à 15, 20, jusqu'à 30 mètres. Oui. D'accord. Bien. Intéressante cette parenthèse. Donc, si on en revient à celle qui est mariée aujourd'hui. Oui. Voilà, donc elle est dans cette fausse matrice, elle est envoyée donc dans l'espace terrestre. Oui. Sa première manifestation sur Terre, c'est en tant qu'humaine ou pas? Dans cette boucle-là, oui. D'accord. Et donc, elle se situe où sa première manifestation humaine? Dans ce qui est la Grèce, maintenant. D'accord. La Grèce antique. Oui. C'était un homme ou une femme? Une femme. Elle avait une fonction particulière? N'ont aucune fonction hormis celle d'occuper son, on va dire, rang hiérarchique dans la société. D'accord. Ok. Donc elle était dans un rang hiérarchique alors. Oui. D'une famille noble, tu veux dire? Oui, ou assimilée par rapport à ce que l'on connaît, en tout cas les familles dirigeantes. Ok. Bon, on n'est pas là pour faire de l'historique, c'est juste pour avoir une idée du cursus. Donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur sa boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Voilà, ce qui la scanne encore, aussi des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles. Pas pour l'instant. Alors, si tu regardes son ADN, à part c'est combien? 2, 3, 4,5, 5%. 5% donc trafiqué et modifié. Regarde si le reste est bien issu de son essence. C'est le sien. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'à ce cas, je n'en ai pas le choix, je compte à trois. Elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces mantes, qui vois-tu d'autre? Il y a des grilles qui sont là, des petites grilles au service des montres. Combien tu en vois? On a 11. D'accord. Ensuite. Après, il y a des entités démoniaques qui sont là présentes. Elle s'appuie sur quelle faille? Sur des failles de mal-être.
de stress et une sorte d'angoisse latente. Ok. Ensuite, qui vois-tu d'autre? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Est-ce que tu as des parasites internes? Oui, ils ont pénétré par les interstices provoqués par cette sorte de nuage gris. Quel type de parasite et où? C'est comme une sorte de poussière. Ce serait comme des sortes d'acariens, mais énergétiques. Ils sont à la recherche de nourriture et d'énergie vitale. Ils se sont infiltrés dans tout l'ensemble de son système digestif. D'accord, ça a à voir avec tous ces problèmes digestifs et intestinaux. Oui. Très bien. Tu vois d'autres types de parasites? Non. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis de l'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archaïolique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et repolitif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Marie se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se revigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Marie, à présent? C'est beaucoup plus stable, clair et léger dans son espace d'énergie maintenant. Alors dis-moi comment réagissent ces entités? Il y a de la colère, une colère puissante qui monte brutalement. Elle dégage comme une sorte de dôme métallique au-dessus d'elle pour venir la bloquer. Regarde si nous avons été repérés. À la séance, oui. Ah, malgré le voile d'invisibilité. C'est-à-dire qu'elles en perçoivent les contours énergétiques. C'est transparent. Elles ne perçoivent pas ce qu'il en est exactement, mais elles en perçoivent les contours énergétiques. Elles sont intervenues. Non. Parce qu'elles n'ont pas déterminé ce que c'était. Très bien, donc on va les bloquer sur tous les plans comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. Voilà, tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Donc regarde la bulle énergétique de Marie, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les élimine sur tous les plans, tous les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Vois-tu des résidus en arrière-plan? Non. Parfait. Alors, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, dans les autres incarnations dans lesquelles elles sont intervenues déjà. De quelle manière elles ont de la technologie pour ça? Oui, il y a le système GPS. Ok. Donc si on grille le système GPS, il n'en reste plus rien. Non. Il est relié à des ordinateurs ou pas? Oui. Ah, combien d'ordinateurs? Trois. Ils sont reliés à l'ordinateur central ou pas?
Certaines informations, pas toutes, oui. Les trois sont reliés à l'ordinateur central? Oui. D'accord. Donc tous les ordinateurs contiennent des informations. Exact. Bien. Alors on va tous. On grille les ordis ou seulement les infos? Les informations qui la concernent. Alors on grille tout avec le GPS. 1, 2, 3. Oui. On regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Il y a comme des sortes de copies d'informations qui sont là, mais en dehors de l'espace terrestre. Sont stockés où? Dans une sorte de ce que l'on pourra appeler bibliothèque immatérielle. C'est dans notre système solaire. C'est proche de notre Soleil, dans une sorte de vaisseau-mère. Très bien. Donc je suppose que c'est multidimensionnel, Oui. quantique et fractal. Oui. On peut tout supprimer. Oui. Allez, 1, 2, 3. C'est fait. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, plus maintenant. Elles n'ont pas anticipé la séance, elles n'ont rien dissimulé. Non, parce qu'elles comptent sur leur système de copie à l'extérieur de l'espace terrestre. Bon, mais tu sais qu'elles sont malignes, je pense qu'elles doivent connaître un peu notre travail. Et tu es sûr qu'elles n'ont pas pris de précautions, elles savent comment on procède. Elles se sont placées, ou plus exactement pas elles, mais elles ont placé des informations dans d'autres lignes de temps. Eh ben voilà, dans combien? Il y en a 6. Ok, alors on élimine tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'il y a d'autres moyens qui sont dissimulés. Non, il n'y en a pas. Bien, alors maintenant on va effacer de leurs circuits neuronaux et tout autre moyen technologique à leur disposition le souvenir de la présence de Marie. Donc on élimine tout. Donc, tous les circuits neuronaux et tout moyen technologique. Amnésie totale. 1, 2, 3, et pour toute l'espèce. Et aussi les grilles. Oui. Regarde maintenant, comment tu les vois, comment vois-tu qu'elles réagissent? Elles sont comme des désemparées, un peu perdues. Il y a des questionnements qui sont là. Non, Alors, c'est si tu... Pardon, vas-y. tout. Si tu regardes dans leur futur, est-ce que tu vois qu'elles ont un moyen de se souvenir d'elle ou pas? Non. Plus aucun? Non. Bien, alors on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan Moronciel en observation. Comment tu as son âme? Elle s'est comme repliée sur elle-même pour se protéger. Elle s'est comme tassée, repliée. Et la partie subliminale? Elle s'est éloignée, décalée de la partie physique pour ne pas être impactée. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan Mourantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morontiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Marie pour recréer une nouvelle ligne de temps, une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Marie. C'est expérimenter ce que c'est qu'une incarnation humaine dans un corps humain et dans la civilisation humaine.
et en découvrir toutes les différentes possibilités. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a comme une sorte de fragilité là dans tout l'ensemble de l'arbre généalogique. Il y a comme des sortes de séparation, des feuillets de séparation énergétique qui viennent séparer les consciences les unes des autres. Donc ça vient les isoler les unes des autres et les placer chacune d'entre elles sur des fréquences différentes. Quel problème ça crée à toutes les consciences qui sont accrochées sur l'arbre? Ça vient créer des problématiques de communication et de compréhension mutuelle. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Marie? Une sensation d'être isolée, décalée. Et ça vient générer une anxiété aussi chez elle. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 48. Que se passe-t-il à ce moment-là? À la sortie des roues d'incarnation, il y a cette sorte de passage obligatoire dans lequel passer, avec des entités démoniaques qui sont là et qui viennent placer ces sortes de séparations énergétiques, ces sortes de feuilles énergétiques sur les lignées. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et puissante qui vient le placer au-dessus de cette zone-là et au-dessus de la perception de ces entités. Alors, on va le compléter par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? L'énergie recommence à circuler maintenant librement, fluide et légère, entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte Marie? Ça vient l'apaiser comme la soulever. C'est beaucoup plus clair et léger dans son espace d'énergie. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui. Allons-y. C'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement, entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 26% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN. Donc, nous avons vu qu'il y a 2, 3, 4, 5%, 5% d'ADN, dont 1,5% modifié, 2% de menthe et 1,5% de gris. Donc, combien peut-on éliminer dans un premier temps? Les 1,5% modifiés. Ok, ouais, c'est le ciment. Alors, elles éliminent sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, regarde ces deux, c'est 1,5%, il en reste en résidu? Non. Alors, elle les remplace avec sa propre essence. C'est fait. Bien, à présent, combien peut-on éliminer? 2%. Les menthes, alors on élimine oui. Également. 1, 2, 3, complicité. C'est fait. Elle les remplace également. Oui. Et maintenant on élimine le reste. Oui. Alors idem. 1, 2, 3. C'est fait. Et elle les remplace également. Oui.
Voilà, ceci étant fait, que compte-t-elle faire? Est-ce qu'elle veut refaire son ADN entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre et autres? Elle le remplace. Très bien. Donc, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit d'art de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 5 de connectées, 3 d'activées. Elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça vient soutenir, renforcer, sécuriser sa base énergétique. C'est fait. Parfait. Alors à présent, nous allons nous occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et là, comme d'habitude, on le fait en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, il n'y en a pas. Alors, elle remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 84%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et trois inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. On va passer donc à ces points. Donc le premier qu'elle a évoqué, c'est les intestins, donc problème d'intestin, côlon irrité avec des douleurs, digestion variable, voilà, avec des douleurs également, mal au ventre. Bref, pour toutes ces zones-là, cette zone-là, pardon, qu'est-ce que tu vois? C'est les parasites qui s'étaient déployés dans tout le système digestif, avec une sorte de concentration au niveau intestinal. Ok, c'est la seule cause ou est-ce que tu en vois d'autres? Non, c'est celle-là. C'est celle-là, d'accord. Alors, bien sûr, ils ne sont plus là? Non. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer. Il y a des programmations automatisées de fonctionnement, d'adaptation de l'élémental du corps physique, mais qui ne sont plus adaptées. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. Alors, on élimine tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et rotissé. Oui. Voilà, en ce qui concerne son côlon, les intestins, est-ce que tu vois qu'on peut y mettre des énergies spécifiques? Oui, des énergies de force vitale spécifique et d'équilibre aussi. Alors allons-y.
C'est fait. Voilà, pour tout le système digestif, vois-tu des énergies rajoutées là aussi? Il y a des réinformations à mettre en place. En plus de ce qu'on a installé. En plus de la force vitale, oui. Ok. Avant ça, tu vois l'autre chose plus spécifique à éliminer? Non, ça a déjà été fait, ça. Est-ce que, je ne sais pas s'il y avait des miasmes ou des déjections de ce verre? Ah, il en reste quelques-unes, oui. Elles sont encore là? Des traces. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui. Là, maintenant, on va réinformer ce qui doit l'être. Hein. Oui. Et puis on va inviter son élémentaire à mettre un baume apaisant, une énergie apaisante pour toutes les parties douloureuses et enflammées de sa physicalité vue et pas vue. Oui, c'est fait. Vois-tu autre chose que nous pourrions faire pour tout son système intestinal, digestif, métabolique et autres? Non, là, c'est bon. Alors stabilise, sécurise, mais y concrétise. Oui. Voilà, pour MORL avec des otites et des rhinites à répétition, regarde d'où ça venait. De cette sorte de filet qu'il y avait là autour de la tête, d'une part, et qui venait comme compresser en fait toutes les énergies autour de la tête, et d'autre part, c'est au niveau de la nuque, le système GPS qui envoyait des ondes qui venaient déphaser les informations circulantes au niveau de toute la tête, au point de vue cérébral, système nerveux central. Mémoriel, cognitif. Ok, donc on va dire que pour toutes les parties qui ont été impactées, qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer maintenant? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer. Et des programmations aussi automatisées de fonctionnement, de réaction de l'élémental du corps physique. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé, Oui. réaligné et retissé. Oui. Donc spécifiquement pour le système ORL, tu vois autre chose à rajouter, tout ce qui est donc surtout otite et rhinite. Alors, il y a un équilibrage gauche-droite et droite-gauche à mettre en place. Ah. Rééquilibrer, réinformer. Allons-y, on rééquilibre et on réinforme. C'est fait. Bien, maintenant on regarde au niveau du système neuronal si tu as des reconnexions à faire. Oui. Donc elle va toutes les faire sur tous les plans, donc en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. Regarde si tu en vois d'autres en arrière-plan. Non. Bien, niveau cerveau droit-gauche, est-ce que tu as des reconnexions à faire? Oui. Idem. 1, 2, 3. C'est fait. Au niveau du système nerveux central, en vois-tu également? Oui. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Comment vois-tu tout son système, donc ben, toutes les parties qui ont été impactées? Est-ce que tu as d'autres choses à réaliser? Non, là, c'est correct. Très bien. Alors stabilise, sécurise, planifie, concrétise. Oui. Douleur articulaire, tendinite, regarde à quoi c'était dû, surtout les tendons du talon d'Achille. Au niveau des chevilles et des pieds, il y avait ces sortes de cordes formées par ces filets torsadés qui étaient là, présentes. Il y en avait d'autres aussi. En fait, ça venait comme de tous ces filets qui, par certaines zones, se torsadaient, ça venait tirer là sur toutes les zones articulaires. Bien, donc on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées par toutes ces cordes, partout où il y en avait. Oui. Voilà, donc pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des programmations automatisées de réaction de l'élémental du corps physique. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé, Oui. réaligné et retissé. Oui. Voilà, donc pour toutes les articulations, les tendons et autres, comment est-ce qu'on peut rajouter des choses? Donc de l'énergie vitale spécifique et une énergie d'équilibre et de souplesse aussi. Alors allons-y pour l'énergie vitale spécifique.
Oui. Équilibre et souplesse. Oui, c'est fait. Voilà. Donc, je suppose que pour les parties douloureuses et enflammées, le WOM a été installé. Oui. Parfait. Tu vois autre chose à faire? Non, là, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Le bas du dos en compote, comme elle le dit. Regarde qu'est-ce qui se passait. C'est la même cause, mais là, c'est plus particulièrement, c'est le filet qui entourait toute sa partie basse, là, au niveau de son bassin et de son ventre, qui avait une attache vers l'arrière au niveau du dos. Est-ce que ça va aussi avec tous ces cycles, ces douleurs, donc lors de ces cycles, les saignements, etc., toute sa région matricielle? Oui, c'est indirectement lié, puisque sur toute sa matrice, hein, il y a eu des interventions des mondes. D'accord. Dans les interventions, est-ce que tu vois qu'il y a eu des œufs qui ont été entreposés? Oui. Ah, combien? Mais il n'y a plus rien maintenant, tout a été détruit tout à l'heure. Hein. D'accord. Ok. Donc, le fait que ces cycles soient douloureux et avec des saignements abondants et une grande fatigue, ça, donc c'est en lien avec ça. Oui. Alors, on va travailler sur toutes les parties impactées. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des programmations de fonctionnement aussi. Alors, on élimine tous les plans. Complicité 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Comment est-ce que tu vois son bas du dos maintenant? Libéré. C'est fluide. L'énergie circule de nouveau maintenant dans toute cette zone-là. Fluide, haute en fréquence. D'accord. Et maintenant, pour ces cycles menstruels, est-ce que tu as des choses spécifiques à faire? Il y a des réinformations à mettre en place. Mais il reste encore comme des sortes de traces gluantes énergétiques à éliminer. Des traces gluantes, elles viennent d'où, de ces parasites? Oui. D'accord. Des parasites, mais des œufs aussi qui avaient été entreposés par les mondes. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité 1, 2, 3. Oui. Donc, spécifiquement, reconnecter et réinventer ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie, vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, retissé. Oui. Tu vois d'autres choses qui devraient être faites? Non, là, c'est correct. Alors, comment tu vois ces cycles maintenant? Réguliers. Tout s'est apaisé et régularisé. Très bien. Alors, stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Voilà, donc le fait qu'elle soit anémiée, donc c'est évidemment, c'est les conséquences de ces saignements. Est-ce que tu vois que c'est régularisé avec ou tu verrais quelque chose une intervention à faire spécifique? Alors, c'est régularisé, mais on peut installer une sorte de programme de production de fer pour que ça reste stable et régulier en toutes circonstances. Ok, alors allons-y. C'est fait. Tu vois autre chose à faire? Non, là, c'est bon. Alors, stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Pardon. Donc, elle était opérée d'un angiome, donc bénin, voilà, haleine, de la taille d'une belle balle de golf. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait eu cet angiome? Il y avait une sorte de... C'est le filet qu'il y avait là au niveau du bassin qui venait créer comme une sorte de pli dans cette zone-là, avec une fuite associée à une fuite énergétique. Donc c'est l'élémental du corps qui a compensé pour bloquer cette fuite énergétique en créant de la matière. D'accord. Donc là, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Il en reste une mémoire, une empreinte traumatique à éliminer. Alors on élimine sur tous les plans. Complicité 1, 2, 3. Oui. On va reconnecter, réinformer. Oui. Apport d'énergie, vitalité. Oui. Équilibrer, synchroniser. Oui. Réaligner et retisser. Oui. Alors, regarde s'il y a des chances pour que cet angiome revienne. Non, tout est correct maintenant. Alors, stabilise, sécurise, prise et concrétise.
Oui. Voilà, au niveau dentition, donc des trous partout, des abcès, etc. Avec ce qu'on a fait, est-ce que tu vois que tout est régularisé? Tout est correct maintenant. C'était les conséquences de ce fameux filet. Oui. Donc on ne va pas y revenir. OK. Eczéma au coude droit et paupière droite dernièrement. D'où ça venait? C'est ce qui a été vu tout à l'heure. Dans ces zones-là, il y avait des failles, des ouvertures au niveau du corps vital. Donc, c'est les réactions d'élémental du corps physique. Donc là, tu vois quoi éliminer maintenant? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des programmations de fonctionnement aussi. Alors, on élimine tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. On va reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie, vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, Oui. voilà. Et on peut demander à son mental de mettre un boom particulier pour toutes ces parties. Oui, un baume apaisant et restructurant. Très bien. C'est fait. Autre chose à faire? Non, c'est bon. Stabilise, sécurise, pèse, concrétise. Oui. Voilà, donc les jambes douloureuses avec des petits vaisseaux, enfin, circulation, problème de circulation. Regarde qu'est-ce qui se passait. Il y avait comme une sorte de décalage entre l'électricité et le magnétisme dans son corps, avec trop de magnétisme vers le bas, trop d'électricité vers le haut. Donc il y avait cette sorte de lourdeur magnétique là qui venait l'attirer vers le bas. Et ce décalage électrique-magnétique venait aussi perturber ses courants d'énergie dans sa physicalité, notamment le flux sanguin, les courants d'énergie sanguins. Bien, alors qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer maintenant? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer, et des programmations de fonctionnement aussi. Alors on élimine tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. Reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie, vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, retissé. Oui. Comment vois-tu l'équilibre électromagnétique maintenant? Correct. Parfait. Bien. Pour tous les vaisseaux, on peut mettre une énergie particulière. Oui, une énergie de renforcement, de souplesse, d'équilibre et un baume apaisant aussi. Alors, allons-y. Et aussi de l'énergie de vitalité, je suppose. Oui. Allons-y. C'est fait. Vois autre chose à faire? Non, c'est bon. Alors, stabilise, sécurise, crise, concrétise. Oui. Voilà, donc au niveau des humeurs qui sont inconstantes, regarde pourquoi, tendance boulimique, voilà. Donc, en rapport au stress et à l'énervement, regarde qu'est-ce qui se passait. C'est une réaction de survie de l'élémentaire du corps physique hein, par rapport à l'aspiration de ses énergies et aussi de compensation et d'équilibre de ses corps subtils par rapport au corps physique. Hein, donc, corps subtil en décalage par rapport au corps physique. C'est comme une sorte de réaction de survie. D'accord. Et là, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des habitudes de fonctionnement. Bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Voilà. Est-ce que pour cette boulimie, est-ce que ce parasite était aussi enfin, avait une responsabilité dans sa boulimie, puisqu'il agissait sur le système digestif et Oui, métabolique? il y avait aspiration de son énergie, donc une nécessité de remplacer rapidement l'énergie aspirée. Très bien. OK. Qu'est-ce que tu vois qu'il resterait à faire maintenant? Bah, tout a été fait maintenant. Très bien. Bien. Alors, stabilise, sécurise, pèse et concrétise. Oui. Alors, autre point, donc trouble de la mémoire et de concentration, le brouillard mental. Bon, bah, on a compris d'où ça venait, mais qu'est-ce que tu peux dire maintenant, là? Et surtout, qu'est-ce qu'il en reste? Il n'y a plus rien. Il y avait deux causes. Il y avait d'une part cette espèce de brouillard gris
Alors, non seulement autour de sa tête, mais dans son aura, en fait, en général, dans toute sa sphère d'énergie. Et il y avait aussi le système GPS qui envoyait des ondes dissonantes et qui venait contribuer à ce brouillard mental. Très bien, donc là maintenant, tu vois, tout est réglé. Oui. Bien, alors elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, dans sa sécurité intérieure et une paix profonde. Oui. Comment est-ce que tu vois à présent, Marie? Elle se sent allégée et apaisée, recentrée dans son espace intérieur de sécurité, avec une sensation de bien-être, hein, de pouvoir se déployer tranquillement dans l'instant présent, ce qui lui permet de l'apprécier, de s'y sentir bien, de trouver de la joie et du plaisir, et tout, voilà, dans l'incarnation. Bien, alors maintenant, si on allait la voir dans son futur, dans une situation où auparavant elle éprouvait du stress, comment est-ce que tu la vois? Comme détachée par rapport à cette énergie-là. Elle la voit passer, mais elle n'en est pas impactée. Ça fait partie, en quelque sorte, du fonctionnement de son corps émotionnel. Mais ça ne déborde pas, ça reste là, ça a juste place et dans sa fonction. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation? De la satisfaction de ce nouvel état d'être, de ce nouvel équilibre et du plaisir aussi. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de savourer. Oui. Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie séminale, toute cette partie, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc on va chercher maintenant son tout premier traumatisme qu'elle a vécu. Tu vas au moment du tout premier traumatisme. 1, 2, 3. Ça remonte au moment où sa planète dans laquelle il se trouvait a été arrachée, captée et déplacée dans cette autre partie de notre univers. Ok, par ce fameux filet. Mmh. Alors tu vas aller la voir bien sûr à ce moment-là, mais bien avant tous ces événements, tu la trouves à un moment où elle est en plein équilibre, dans son plein potentiel, totalement en harmonie. Oui. Voilà, tu te présentes à elle à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu vas l'inviter à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Ah, il y a une montée en fréquence haute, puissante, équilibrante, qui lui fait percevoir tous les événements et sa propre situation d'une autre perspective. Bien, alors maintenant, là, c'est les événements qui vont arriver et c'est également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, de ressentir, de perception, sa manière d'être face à eux. On est d'accord pour ça? Oui. Bien. Alors, avant de plonger dans les événements, j'aimerais que tu me dises comment est-ce qu'il interprète ce qui va se passer, qu'est-ce qu'elle en comprend? Elle perçoit maintenant clairement que toutes ces situations sont des situations d'expérimentation de la conscience mises en place par son soi supérieur. Alors maintenant qu'elle en connaît tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle va plonger dans tous ces événements jusqu'à sa toute première vie humaine et dis-moi comment tu la vois. Elle observe avec curiosité et plaisir cette nouvelle forme de manifestation d'elle-même. Elle en explore tous les aspects. Ça lui apporte de la joie et du plaisir. Donc là, on est loin de la victimisation, de la dramatisation et du sentiment d'impuissance. Oui. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Voilà. Et elle repasse par chacune des vies vécues et intervient jusqu'à ici et maintenant. Et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Comment vois-tu Marie à présent? Légère,
recentrée dans toutes ses énergies, équilibrée, puissante. Elle ressent de la joie et du plaisir d'être là dans l'incarnation. Alors là aussi, elle peut entendre le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et dans cet ici et maintenant, elle le télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pénalise et concrétise. Oui. Voilà. Alors maintenant, autre point, elle a été formée au Reiki. Voilà, donc regarde déjà dans sa formation à quoi ça l'a connecté, qu'est-ce qui s'est passé pour elle et s'il en reste quelque chose. Il y a comme une sorte de chaîne qui la relie, à un égrégore. C'est toujours là présent, cette chaîne. Elle s'est allégée, mais elle est toujours là présente. Très bien. Et à l'époque, donc, qu'est-ce que ça a été comme inconvénient pour elle? Connecter, capter, pour aspirer ses énergies vitales. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces égrégores? Il y a des entités démoniaques. Très bien. Bon, alors maintenant, elle va couper tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère de tout ça. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Voilà, tu vois autre chose à éliminer? Non. Voilà, donc maintenant qu'il y a des compréhensions, donc je pense que ça doit suffire. On va regarder maintenant, donc stabilise, sécurise, pérennise, concrétise ça. Oui. Et maintenant, c'est son garçon donc, qui a beaucoup de peur. Voilà, il a 7 ans. Regarde qu'est-ce qui se passe pour qu'il ait toutes ses peurs. Connecte-toi à lui et dis-moi ce que tu vois. C'est comme s'il n'était pas tout à fait incarné. C'est-à-dire qu'il y a sa conscience fait des allers-retours entre la troisième et la quatrième dimension. Il y a des portes ouvertes interdimensionnelles en lui. Et donc ça vient créer une instabilité énergétique et émotionnelle aussi. Qu'est-ce qui a créé cette situation? C'est les entités qui l'ont dirigé vers cette incarnation-là. On retrouve les mantes qui sont là présentes. D'accord. Donc on va faire venir son garçon devant elle. Oui. Elle va lui montrer le travail qu'il est en train de faire. Voilà, il l'a invité à prendre conscience et connaissance de sa propre situation, des informations que nous allons recueillir, voilà, et des entités qui en sont à l'origine. Oui. Comment réagit-il? Il y a une réaction de peur, de recul, suivie d'une réaction de colère. Bien, demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on va le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il y a une montée en fréquence puissante et soudaine qui vient l'équilibrer et le stabiliser. Bien. Et que deviennent ces entités? Elles ont disparu de sa réalité. Même les mentes? Elles ont disparu de sa réalité, mais elles restent là comme cachées en arrière-plan. Ah, d'accord. Alors tu vas ouvrir un portail dimensionnel et on va toutes les virer avec toute possibilité de le retrouver. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes, tu l'effaces. Oui. Voilà, regarde si elles ont moyen de le retrouver. Non, plus maintenant. Eh bien voilà. Donc maintenant, tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques, qu'ils soient transgénérationnels, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient karmiques et autres. Et il coupe tous ces liens. 1, 2, 3. Oui. D'ailleurs, Marie va en profiter pour faire la même chose, couper tous les liens aussi toxiques, selon le terme générique qu'on a élaboré. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors, donc, comment est-ce que tu le vois maintenant? Apaisé, tranquillisé. Il y a un calme, une sérénité intérieure qui sont là à l'intérieur de lui maintenant. Comment est-ce que tu le vois dans son incarnation? Il s'est recentré dans l'incarnation et... sa conscience est recentrée dans la physicalité 3D. Parfait. Alors maintenant, tu peux l'inviter à faire la séance. Il a accès à toutes les informations. Voilà, il en a les capacités, il en a la liberté. Il peut commencer dès maintenant, et même s'il sera invité tout à l'heure. Oui. Voilà. C'est OK pour lui? Oui.
Parfait. Alors, on revient à Marie. Oui. Alors, on va regarder son corps mental. Et j'aimerais que tu me dises que toutes les programmations limitantes que tu vois, et sous quelle forme tu les vois, et les croyances qui en découlaient. Elles se présentent sous forme de crochets. Donc, ils viennent s'accrocher les uns aux autres. Ça peut créer des formes multidimensionnelles qui viennent se positionner les unes sur les autres, s'accumuler jusqu'à devenir lourd, pesant et limitant. Quelles sont les croyances limitantes qu'il a développées à partir de ça? Qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour passer par-delà ces programmations. Et sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Maintenant qu'elle est connectée directement à sa propre puissance intérieure, elle s'aperçoit de la nature de ses programmations. Et aussi qu'elles sont agissantes uniquement dans des zones de basse fréquence. Elle s'aperçoit qu'elle, à présent, peut aller bien au-delà de ces zones de basse fréquence, bien au-delà de ses programmations, et qu'elle peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Que reste-t-il à dégager de sa réalité? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à dégager, et des habitudes de fonctionnement aussi. Alors, elle dégage tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et toujours sur l'enseigne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel, avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Dans tout le corps émotionnel, il y a comme des sortes de décalages, de failles et d'instabilité qui viennent créer de l'anxiété. Il y a des souffrances émotionnelles aussi qui sont là présentes. Une sensation d'être décalée, seule, incomprise. Il y a des frustrations aussi qui sont là présentes et des colères par rapport à ces frustrations. De la culpabilité aussi pour ne pas arriver à maintenir ces émotions en haute fréquence, fluide et légère. Tous ces éléments viennent créer une image d'elle qui ne lui correspond pas, dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Et ça vient créer des fuites d'énergie importantes aussi. Voilà, à présent, on va regarder du côté des cinq blessures, donc qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Comment s'exprimait-elle? Il y a l'injustice ressentie de ces conditions d'incarnation-là. Donc ressenti comme bridé et limité. Il y a le sentiment de la partie physique d'avoir été trahi par le soi supérieur, pour avoir été là, rejeté et abandonné dans ces conditions d'incarnation-là limitées. Donc ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Puis aussi l'humiliation ressentie de ne pas arriver à garder ses fréquences hautes, légères et fluides, et quelles que soient les circonstances, dans toute la durée de l'incarnation. Donc pour arriver à fonctionner dans l'incarnation, en évitant les pics de souffrance les plus importants, elle a mis en place un système d'autoprotection, où elle vient comme rajouter des boucliers successifs, les uns par rapport aux autres, à chaque pic de souffrance. C'est efficace, sauf qu'au cours de l'incarnation, ça vient se rajouter en fait les uns sur les autres, ces sortes de boucliers. Et ça finit par devenir lourd, pesant, inadapté. Ça vient la couper en partie avec ses intuitions, avec ses parties d'elle supérieures. Mais c'est la seule façon qu'elle avait trouvée pour fonctionner là dans l'incarnation. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'enseignement de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça? Il y a des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques à éliminer. Alors, on élimine tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui. Voilà, et en ce qui concerne la personnalité, maintenant tu as toutes les compréhensions, toutes les informations pour créer les changements nécessaires. Voilà, et t'ouvrir à de nouveaux horizons.